Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched Go Live TV, anytime, anywhere. Salut mes bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents de nous retrouver encore cet après-midi dans le cadre de notre émission, le son de la trompette. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te rendons de multiples actions de grâce pour tes bontés. La Bible dit que tu renouvelles tes grâces chaque matin. Si nous sommes en vie, si nous pouvons parler, nous pouvons voir, nous pouvons entendre, nous pouvons marcher, ce n'est que par ta grâce, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons vivre chaque jour pour toi, que chaque pas que nous faisons, que chaque souffle que nous prenons soit pour toi, Seigneur. Donne-nous à te rendre gloire et à manifester ta gloire dans ce monde. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents, très heureux de nous retrouver dans le cadre de notre mission, le son de la trompette. Il y a depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler sur les événements du temps de la fin, sur les retours du de, 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 de Christ et des choses qui vont se passer un, 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 lors du retour du, du, du Seigneur. Nous sommes en train de parler de ces choses un, un, avec un, un langage un peu plus simple, d'une manière claire, apaisée, un, un, pour que nous puissions comprendre ces choses parce que. Il semble que pour beaucoup de chrétiens, on a du mal à, à saisir, à, circonci à circoncire et à, à, à comprendre les événements du temps, de la fête et des choses qui vont se passer après l'enlèvement de l'Église. Alors dans cette série d'enseignements sur l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur, nous voulons vraiment, avec un langage simple, expliquer les événements, d'une manière chronologique, d'une manière linéaire. Donc, les événements les uns après les autres, depuis l'enlèvement de l'Église jusqu'au jugement dernier. Donc, nous parlons de ces choses d'une manière simple et nous, nous bénissons le Seigneur pour des questions que nous recevons, pour les feedbacks que nous recevons et pour vos, vos commentaires et combien. Vous, euh, nous sommes bénis euh, par ces instants. Alors, nous avions expliqué c'était quoi l'enlèvement de l'Église. Nous avions dit que l'enlèvement, c'est une promesse euh, que Dieu a fait à, à, à l'Église. Quand Christ a dit Je reviendrai vous prendre, je vais vous préparer une place dans euh, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1 à toi Christ dit, nous, nous dit qu'il y a. Plusieurs demeurent dans la maison de son père. Si, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre. Donc l'enlèvement est une... Est une promesse que l'Église détient. Nous avons parlé de la parole prophétique. La plus grande parole prophétique que nous détenons en ces temps de la fin, ce n'est pas la parole sur les miracles, sur le mariage, sur les voyages, sur les maisons, sur les voitures. Non. C'est la parole qui nous prépare au retour de Christ. C'est la promesse que Christ nous a faite de venir un jour nous chercher et chercher son Église. Donc, il y a des signes que Christ nous a donnés qui témoignent de son retour, des signes qui peuvent être considérés comme positifs et d'autres signes qui peuvent être considérés comme négatifs. Et de tous ces signes, nous sommes en train de vivre la réalisation jour après jour, enfin de nous, a, de nous a alerter et de nous amener à nous préparer. Alors nous avions dit, selon la Bible, selon 1 Thessaloniciens 4, la Bible dit hein, au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement le jour de l'enlèvement de l'église les morts en Christ ressusciteront premièrement l'apôtre Paul dit il dit nous les vivants nous devancerons pas ceux qui sont morts mais les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous qui serons en vie nous serons transformés en un clin d'œil, en un instant, ce corps de poussière, ce corps de péché, ce corps qui tombe malade, ce corps qui a faim, qui a soif, ce corps charnel et mortel, en un clin d'œil, il sera transformé, il va revêtir l'incorruptible et, 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 et il sera transformé à, 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 à ce corps de gloire. À ses, corps, à ses corps de gloire et les morts en Christ et nous qui serons en ville, la Bible dit, nous serons transformés en un clin d'œil et nous monterons dans les airs comme des étoiles, nous monterons dans, dans les airs à la rencontre du, du Seigneur. Et plus d'une fois, Dieu nous a fait voir des visions, des, 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 des visions sur l'enlèvement de, de l'Église que j'ai partagé avec nous déjà. Donc, ce sont des choses qui ne, ne, ne sont pas des imaginations, qui ne sont pas des de pensées de, des hommes, mais parce que cela est écrit. J'ai dit, ça c'est très important, que dans la Bible, il y, a, il, y a, il y a des prophéties qui se sont déjà accomplies. Il y a des prophéties qui s'accomplissent. Donc si la Bible nous donne des prophéties, et, et ces prophéties se sont accomplies avec exactitude, c'est pour nous interpeller et pour nous dire... Que des prophéties qui ne se sont, sont pas encore accomplies s'accompliront aussi certainement. Donc, l'enlèvement fait partie des prophéties qui ne se sont pas encore accomplies, mais qui s'accomplira. Et l'Église doit en parler, les chrétiens doivent les savoir, que nous avons un grand rendez-vous avec le Seigneur parce qu'il revient bientôt. Alors, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront et nous, les vivants, en un clin d'œil, nous serons transformés aller à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous avions dit que sur la terre les gens vont disparaître de partout tous les chrétiens du monde entier les vrais qui sont réellement nés de nouveau qui sont remplis du Saint-Esprit et qui marchent dans la crainte de l'Éternel seront enlevés avec le Seigneur dans les airs et il y aura des dégâts dans ce monde. Il y aura des disparitions, il y aura des accidents, il y aura des catastrophes, il y aura des dégâts partout parce que la disparition de cette portion, de cette partie de la population laissera des dégâts dans le monde. Imaginez-vous que les pilotes étaient chrétiens, que les chauffeurs étaient chrétiens, que, 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 que eh, <lusses> les capitaine de, 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 du bateau était chrétien, que tout ce monde-là était des vrais chrétiens qui sont... Enlever, essayer d'imaginer dans quel état sera le monde. Alors, le monde, après l'enlèvement, va sombrer dans, comme un, un, un chaos ce sera une crise mondiale partout. On va en parler à la télé, à, dans des radios, sur Facebook il y aura il y a la disparition des gens partout dans, dans le monde. Et des hommes de science, chacun va essayer de donner son explication. Mm. et j'ai dit que si un jour à la télé tu apprends tu attends à, 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 dans des journaux dans, dans, à la télévision on dit qu'il y a eu disparition des milliers d'hommes, ont disparu de par le monde, comprends que il y a eu enlèvement et que toi tu es resté alors les gens vont donner des, des explications mais les chrétiens qui connaissaient ces, ces, ces choses qui ont entendu parler de ces choses comprendons qu'il y a eu enlèvement et qui sont restés. Ils sont restés. Alors, parce que le monde tombera dans le chaos, on va commencer à trouver des, des solutions pour euh, apporter la stabilité dans, 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 dans le monde, pour apporter l'équilibre, pour relever l'économie qui sombrera, un, un, pour un, un, essayer d'apporter la paix partout dans, 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 dans le monde. Et en à, à ce moment-là, un personnage, une personne va sortir qui sera comme un, un, un homme politique, un homme éloquent, un homme qui parle bien, un homme brillant, qui mettra tout le monde sur la même table, toutes les nations ensemble. Pour essayer de proposer des solutions. Et la Bible dit qu'il il, 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 il va convaincre tout le monde. Il va même aller faire alliance avec Israël. Et ces personnages-là, c'est ce que la Bible appelle l'Antichrist. Il va jouer un rôle très important pour la stabilité, pour apporter la paix, la calmie après le chaos que va, qu va connaître le monde après l'enlèvement. C'est pourquoi la Bible dit que quand les hommes diront sûreté et paix, une ruine soudaine les surprendra. Alléluia. Mmh. Ça, c'est l'Antichrist Il va apparaître. Et la Bible dit que juste après l'enlèvement. Et, et, et le temps qui vient après, ça s'appelle la tribulation. C'est une période, une dispensation qui va, un, un, qui sera inaugurée et qui va durer sept ans. Sept ans seulement, comme nous comptons les sept années actuellement. Ça sera sept ans. Et nous avions dit que ces sept ans correspondent à la soixante dixième semaine de Daniel, parce que Daniel parle des soixante dix semaines qu'il a vues. Mais il a, on a dans les soixante dix semaines de Daniel les 69 semaines ont été accomplies. Mais il reste la dernière semaine. Nous avions dit que ce sont des semaines des années. Une semaine de Daniel équivaut à sept ans. Alors la dernière semaine de Daniel n'a pas encore été accomplie. Et la dernière, la dernière semaine de Daniel s'accomplira juste après l'enlèvement. Commencera juste après l'enlèvement. Et cette semaine-là, qui équivaut à sept ans, et ces sept ans-là correspondent... À la sept ans, pardon, aux sept ans, aux sept années de la tribulation. Et Daniel en parle, il parle de l'Antichrist, il dit à la moitié de la semaine. Ça veut dire à la moitié de ces sept ans. Cela veut dire pendant trois ans et six mois, l'Antichrist va faire des alliances avec les, les, les nations du monde, même avec Israël. Mais à, à, dans l'autre moitié de la semaine, ça veut dire après trois ans et six mois, il va maintenant s'imposer comme un despote, comme un dictateur. Il va aller en Israël, il va un, 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 un reconstruire les temples et il va s'asseoir au temple jusqu'à se, se proclamer Dieu dans les temples. Et l'apôtre Paul en parle aussi dans un dans Thessalonicien. Il, il, il parle de l'impie qui va dans deux Thessaloniciens chapitre 2. Verset 3 et 4, il dit Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire la, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, et qui va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et dans Daniel 9, 27, Daniel. Chapitre 9, verset 27, Daniel dit, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. » Pour une semaine, qui veut dire sept ans. « Et durant la moitié de la semaine, ça veut dire un peu trois ans et, et, et six mois, il fera cesser les sacrifices, l'offrande et les dévastateurs, ça veut, ça veut dire l'antichrist, commettra des choses les plus abominables. » Dans Daniel 11, 31, la Bible dit, des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront les sanctuaires, la forteresse. Elles feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination du dévastateur. Donc l'antichrist va se présenter dans un premier temps comme un homme de paix, un homme pacificateur qui fera alliance avec toutes les nations. Mais dans la seconde moitié. De, de, de la semaine, ça veut dire après trois ans et six mois, il va maintenant faire voir son vrai visage des de dictateurs et il va aller s'asseoir au temple et se proclamer Dieu en Israël et il sera secondé avec les faux prophètes. Donc l'Antichrist la, la, sera un homme un, un plus politique, un, 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 il va gérer les choses plus sur le plan politique et économique, mais les, prophè les faux prophètes sera un homme un religieux. Et il y a des commentateurs, il y a des eschatologues qui pensent que si Christ reviendrait maintenant, l'Antichrist peut être Barack Obama, peut être Macron, et les faux prophètes peuvent être Pape. Ça ce sont un, 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 les commentaires, mais la Bible ne donne pas de précisions sur les personnes. Pour nous, nous avions dit que l'Antichrist et les faux prophètes ne sont pas d'abord des individus en particulier. C'est une fonction. Qu'un individu aura assumé après l'enlèvement. Donc, ça veut dire que le diable va voir parmi ses généraux, il y a un enlèvement. Qui peut jouer le rôle de l'Antichrist il, 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 il peut prendre l'un de ses généraux. Toi, tu joueras le rôle de l'Antichrist la, et toi, tu joueras le rôle du faux prophète. Alors, ça, ça se passe sur la terre, juste après L'enlèvement. Alors que ceux qui sont enlevés dans les airs, la Bible dit qu'ils sont dans les noces de l'agneau. Vous voyez, quand Christ a racheté son, son, son église par sa mort à la croix, il a payé la, la dot de son sang, mais il n'a pas pris son église directement avec lui. Il dit à son église qui est son épouse Reste d'abord, je vais te préparer la place, et quand tout sera prêt, je reviendrai te prendre. Donc l'épouse est à l'attente de son époux. Il y aura maintenant la fête à l'enlèvement, l'époux sera en enlevé et il y aura la fête, la célébration, l'officialisation de ces mariages entre l'époux et l'épouse. C'est ce que la Bible appelle les noces, la fête, les noces de l'agneau selon Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9, la Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons le gloire, car les noces de l'agneau sont arrivées, et son épouse s'est préparée. Verset 8 Et il lui a été donné des revêtements d'un félin éclatant pur, car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9 Et l'ange me dit écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont véritables, sont les véritables paroles de Dieu. Vous voyez, la Bible parle ici des noces de l'agneau. Donc ça veut dire l'église qui sera enlevée et ira à la rencontre de l'époux dans les airs et on va festoyer. Alors les eschatologues disent que seulement les chrétiens qui seront enlevés, ce sont eux qui seront considérés comme épouses du Christ. Il y aura des chrétiens qui vont manquer il y aura des, des, des personnes qui vont manquer l'enlèvement et qui vont rester sur la terre et qui vont refuser aussi la marque de la bête qui seront mis à mort, qui seront décapités, qui seront torturés et la Bible dit un Paul un, pardon Jean en parle quand il dit une foule non nombreuse qui avait des palmes dans leurs mains et il demande à, à l'ange qui sont ceux là l'ange lui dira ce sont ceux là qui viennent de la grande tribulation ils, 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 ils n'ont pas adoré la, la bête. Donc il y aura des gens qui vont manquer l'enlèvement, certes. C'est pourquoi, pourquoi nous parler des événements du temps de la fin. Parce que même si tu arrivais à manquer l'enlèvement, en, ce n'est pas que tout est fini pour, pour toi. Non, il y a encore une seconde chance. Parce que pendant même la tribulation, il y aura des, y aura des gens qui vont refuser la marque parce qu'il y aura aussi un ministère des deux témoins que la Bible en parle. De deux témoins qui vont apparaître pendant la grande tribulation et, et ils vont a, a, a annoncer la, la parole et ils vont persuader les gens à ne pas adorer l'Antichrist et son image. La, la Bible en parle, nous, nous allons lire. Donc il y aura des gens qui vont ré, ré, refuser la marque et qui seront mis à mort, qui seront décapités, qui seront torturés. Et ces gens-là, à l'air mort, vont aller rejoindre aussi l'épouse qui est le Christ avec les seigneurs qui sont dans les airs. Et les, les eschatologues, les, les commentateurs disent que l'épouse, c'est celui qui a été enlevé à l'enlèvement de l'Église. Et ceux-là qui viendront après ne sont pas épouses, mais sont amis de l'épouse. Parce que Jean-Baptiste en parle, il dit que l'ami de l'épouse, et l'ami de l'épouse est content de voir l'épouse et l'époux. Ça, ce sont les commentaires. Nous n'avons pas à donner un, un point de vue par rapport à cela. Mais ce que nous affirmons est que, même pendant la grande tribulation, il y aurait quand même une foule nombreuse, comme dit la Bible, de gens qui seront enlevés. Nous allons y revenir. Donc, ceux qui sont enlevés, l'enlèvement a eu lieu. Ceux qui sont enlevés sont dans les noces de l'agneau en train de célébrer, de, 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 de se réjouir avec l'époux. Et ceux qui sont restés sur la, la, la terre entrent dans la tribulation. L'Antichrist la, la, apparaît, d'abord comme un pacificateur il sera secondé du faux prophète, qui fera aussi des miracles. La Bible dit que le faux prophète fera tellement de miracles et va amener le peuple à adorer l'Antichrist. Et beaucoup vont adorer l'Antichrist. Il y aura l'image de l'Antichrist partout. Et les, les, les eschatologues ou les, les commentateurs disent que sûrement, hein, avec la, techno, la technologie, il y aura des hologrammes ou des images de, de, de l'Antichrist partout dans chaque ville. Et on obligera les habitants de la terre de pouvoir adorer l'image hein, de l'Antichrist. Et, 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 et quand l'Antichrist la, 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 va. C'est proclamer Dieu officiellement et va aller s'asseoir dans les temples et avec les ministères des deux témoins. J'aimerais euh, lire ça dans Apocalypse chapitre 1, 11. Un, un verset, un, un, je commence par euh, un, le verset un, 3. Apocalypse chapitre 11. Je commence par le verset 3. La Bible dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs. Pendant 1260 jours, donc il fait exactement 3 ans et 6 mois. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant les seigneurs de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de la bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, ils vont, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Verset 6, ils, ils ont le pouvoir de fermer les cieux afin qu'ils ne tombent point de la pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête, ça veut dire l'antichrist qui monte de l'abîme, leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Verset 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause de les habitants de la terre, se régiront, car seront dans l'allégresse, la, et, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que les deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils s'étirent sur leurs pieds, et une grande crainte s'apparente de ceux qui le voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Vous voyez, pendant la grande tribulation, quand l'Antichrist va aller s'asseoir et se proclamer Dieu, et en même temps, la Bible dit qu'il y aura les ministères de deux témoins. La Bible dit que les deux témoins vont apparaître. Une question nous a été imposée, parce que le ministère des deux témoins sera après l'enlèvement. Est-ce que les deux témoins seraient-ils des chrétiens qui ont marqué l'enlèvement Ou ce seront des anges que Dieu va envoyer sur la, la, la terre pour faire un ministère pendant ces, ces, ces trois ans et six mois Donc la Bible n'a pas donné de précisions par rapport à cela. Mais la Bible parle de deux oliviers de l'Éternel. Donc, ça veut dire qu'ils étaient dans la présence de l'Éternel. Et les signes qu'ils vont opérer, ils auront le pouvoir de fermer les cieux, ils auront le pouvoir de faire descendre les feux du ciel. Ce sont des signes qui s'apparentent au ministère d'Élie et de Moïse. Donc, certains commentateurs disent que ça sera Élie et Moïse qui vont revenir pour accomplir encore un autre ministère pendant la grande tribulation. Mais la Bible ne donne pas ces précisions-là. La Bible parle seulement de deux témoins qui vont travailler pendant trois ans et six mois pendant la grande tribulation, et ils vont ramener Israël à la conscience, parce que Israël verra que nous avons fait alliance avec l'Antichrist, et l'Antichrist va s'asseoir au temple et se proclamer Dieu. Maintenant, Israël va se réveiller. Il dit Non, 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 non. Celui-ci n'est pas notre Dieu. La Bible dit que Israël va rompre son alliance avec l'Antichrist et ils vont, retour, ils vont se retourner vers Dieu. Ils vont regarder à Dieu. Ils vont se repentir et reconnaître Christ comme leur Seigneur. Selon Zacharie chapitre 12 verset 10, Zacharie chapitre 12 verset 10, la Bible dit Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Et des supplications. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc, Israël va reconnaître Christ, le Messie qu'il a rejeté, et va se repentir. Paul en parle aussi dans Romains chapitre 11, versets 25 à 29. Il dit une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et tout Israël sera sauvé. Donc il y aura une repentance nationale. Israël va rompre son alliance avec l'Antichrist. Ils vont tourner les regards vers celui qu'ils ont percé. Cela veut dire vers Jésus-Christ, les seigneurs des seigneurs, les rois des rois. Et cela va correspondre à la fin des sept ans de la tribulation. Donc ce sera vers la fin des sept ans de la tribulation israël va se repentir alors à la fin de ces sept ans là israël va se repentir et tourner les regards vers christ et christ parce que israël a rompu son alliance avec l'antichrist l'antichrist va réunir toutes les armées de la terre pour faire la guerre à israël selon ce que la bible dit dans apocalypse chapitre 19 verset 11 à 21 tu peux lire Apocalypse chapitre 19 verset 11 à 21. Alors, et Apocalypse chapitre 16 verset 14 à 16. Apocalypse chapitre 16 verset 14 à 16 que j'ai lu, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant, verset 16. Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Donc, quand Israël va rompre l'alliance avec l'Antichrist et va tourner son regard vers Christ, celui qui l'a percé, et il va se repentir, sa tombe à la fin de la septième année de la grande tribulation, et l'Antichrist va réunir les armées de la terre, parce que nous nous, nous, nous avions dit qu'à l'époque de l'Antichrist, il y aura installation du gouvernement mondial. Effectivement, il y aura, il y aura un, un, un gouvernement mondial qui va s'installer dans, dans le monde, il y aura un seul gouvernement, il y aura une seule armée, il y aura une seule justice, il y aura un seul système de santé, il y aura un... un, 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 un une seule religion, donc tout sera unifié. Le gouvernement mondial sera effectivement installé pendant la période du règne de l'Antichrist. Parce qu'il y aura une seule armée, toutes les armées vont se réunir pour décimer, pour combattre contre Israël. Alors nous, nous disons que cela tombe justement à la fin de la septième année. De la grande tribulation. Et Israël qui va tourner les regards vers Christ, la Bible dit que les Seigneurs, je vais lire ça dans Apocalypse chapitre 19, 11 à 21. La Bible dit Puis j'ai vu du ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui les montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Les, ses, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Verset 14. Les armées qui sont dans les cieux les suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin blanc pur. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Donc, quand Israël, quand Antichrist va encercler Israël pour les décimer parce qu'il a rompu l'alliance avec lui, Israël va crier à Christ et la Bible dit que le, le, le Seigneur va descendre du ciel avec toutes les armées de la terre. Il y aura la guerre, un combat, la guerre qu'on appelle la guerre des Armageddon. Donc, c'est et le Seigneur va descendre sur Israël et la Bible dit il va poser ses pieds sur les mots des oliviers. Christ descendra et posera ses pieds sur les mots des oliviers, selon Zacharie, chapitre 14, verset 3 à 4. Zacharie 14, 3, 4, la Bible dit, l'éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Verset 4, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Donc, Christ va descendre avec les armées de la terre. Avec les, 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 avec les saints qui étaient avec lui dans les noces de l'agneau, les armées de la terre, Christ va descendre. Et la Bible dit tout œil le verra. Quand il y aura enlèvement, ce n'est pas tout le monde qui hein, 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 écoutera le son de la trompette. Seuls les chrétiens, les vrais, entendront le son de la trompette, seront enlevés. Mais au retour du Christ, Christ viendra physiquement sur la terre et posera ses pieds sur les monts. Des Oliviers. Il combattra pour Israël. La Bible dit que l'épée sortira de sa bouche et décimera les, les ennemis d'Israël. Et cette guerre-là, ce combat-là, c'est ce que la Bible appelle Armageddon. Donc nous sommes en train de parler des événements sur le plan linéaire, sur le plan chronologique. L'enlèvement a, a, a eu lieu, l'Église est en, enlevée, la grande tribulation commence. Pendant sept ans, trois ans et demi, Trois ans et demi, l'Antichrist fait alliance avec tout le monde. Il établit un gouvernement mondial sur la, la, la terre et va faire alliance avec Israël. Et il va aller même s'asseoir au temple et se proclamer Dieu. Israël va rompre alliance avec l'Antichrist et l'Antichrist va réunir les armées de la terre pour combattre contre Israël. Et le Seigneur descendra du ciel pour défendre Israël. Et cette guerre-là s'appelle. À et la Bible dit que l'antichrist, pardon, les, les dragons, qui est les, les diables, sera lié et sera jeté dans l'abîme pour mille ans. Pendant mille ans, les, 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 les diables, les, les dragons, sera lié et jeté dans l'abîme. Et quand Christ descendra physiquement sur la terre, posera ses pieds sur les monts des oliviers, et va, va, va inaugurer une autre dispensation qui est appelée le millennium. Le millennium qui sera les mille ans du règne de Christ. Pendant mille ans, le Seigneur va régner sur la terre. Il va régner sur la terre. Et c'est par là que nous allons finir aujourd'hui en parlant de millénium. Le millénium, c'est quoi C'est une période de mille ans durant laquelle le Seigneur régnera sur la terre avec tous les saints. Christ descendra du ciel avec tous les saints, avec les anges, et il va établir les règnes millénaires. Pendant mille ans, il va régner sur la terre. Je lis Apocalypse chapitre 20, verset 1. Apocalypse chapitre 20, verset 1. La Bible dit, Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne. Dans sa main. Verset 2. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et les lia pour mille ans. Les liant pour mille ans. Verset 3. Et il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc Christ revient sur la terre avec toutes les armées de la, de la terre. Le diable est lié. Un ange seulement. Un ange puissant. Et la Bible n'a pas dit ce, ce son nom. Mais un ange qui descend du ciel avec une chaîne va lier les diables, les dragons anciens, pendant mille ans. Pendant mille ans, il va sceller l'abîme. Et Christ va établir son règne, de, son règne millénaire hein, 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 sur la, 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 la terre. Ça sera une période de paix, une période de joie, une période de justice, caractéristique des milléniums. Satan est lié pendant mille ans et empêché de séduire les nations de la terre. Le Seigneur règne et domine physiquement sur la terre. La Bible dit qu'il sera comme l'étoile, comme le soleil qui s'élève. Toutes les, 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 les nations les, les verront dans sa gloire. Waouh! Notre Dieu est grand. Les saints, les rachetés vont gouverner avec le Seigneur. La Bible dit « Heureux ceux qui souffrent, car ils hériteront la terre. » Il y aura un moment où Dieu va donner le gouvernement, le Seigneur va donner le gouvernement de la terre aux saints, à ceux qui l'ont servi. Matthieu chapitre 5, verset 5, la Bible dit « Heureux les débonnaires. » Car ils hériteront la terre. Apocalypse 26, la, la, la Bible dit Ils régneront pendant mille ans. Ils régneront avec lui pendant mille ans. Et dans Apocalypse 2, 26, le Seigneur parle et dit À celui qui vaincra, je donnerai l'autorité sur les nations. Donc il y aura un temps où, quand Christ va revenir pour les milléniums, les chrétiens, les enfants de Dieu vont régner avec lui sur la terre. Et Christ va établir ses règnes millénaires. Le Seigneur gouvernera, mais aussi avec une verge de fer. Le mal ne sera pas toléré. Les pécheurs endurent ceux qui s'entêteront de, 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 de rompre la loi, de violer la, la loi. Ils seront châtiés sur les champs. À Apocalypse 2, 27. La Bible dit Le Seigneur les pétrera avec une verge de fer. Et c'est pendant ces période-là que la Bible dit que lion et, et, et une brebis mangeront la paille ensemble. Un, un, un enfant va jouer avec des serpents et, 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 et des, 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 des lions. Les animaux féroces, les, les carnivores mangeront de l'herbe. Il y aura la paix. Il y aura la joie. Dans Ésaïe 11, Esaïe 11, chapitre 4. Un, Pardon, Ésaïe chapitre 11, versets 4 à 8. La Bible dit Il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir les méchants. Ésaïe 11, 6. Les loups habitera avec l'agneau. Waouh Les panthères se couchera avec les chevaux. Les veaux, les lionceaux et les bétails. Qu'on se en seront ensemble et un petit enfant les conduira. Wow. Verset 7. La vache et l'ours auront un même pâturage, l'air petit un même gîte et les lions comme le bœuf mangeront de la paille. La nourrice, les nourrissons s'abrata sur l'entrée des vipères. Donc il n'y aura, aura pas de guerre, il n'y aura pas de, 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 de combats. Même les animaux qui sont aujourd'hui féroces vont habiter avec l'homme. C'est pourquoi il y, a, il, y a, il y a une religion qui fait des, des images où des gens un, un, ils disent que la Terre sera un, un, un paradis. On va vivre avec des, des, des lions, on va vivre avec des animaux. Oui, c'est vrai, mais ce sera seulement pendant ces périodes de mille ans. Des mille il y aura la paix, il y aura la justice sur toute la terre, il y aura plus de guerre. Et Isaïe chapitre 2, verset 4, la Bible dit « Il sera, le Seigneur sera le juge des nations. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre nation. » Et l'on n'apprendra plus de guerres. Donc pendant les règnes millénaires, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de troubles, il y aura même la longévité. La Bible dit un, 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 dans Ésaïe 65, 20, il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent le jour, leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Donc c'est ça les caractéristiques de ces périodes millénaires où Christ lui-même va régner sur, sur la terre et montrera aux hommes, aux dirigeants de la, de, de, de la terre, ce que serait la terre si l'homme avait bien gouverné, si l'homme avait bien géré. Hein, hein, il y aura la, 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 le partage équitable des richesses, il n'y aura pas l'injustice, il n'y aura pas la corruption. Christ va régner et va restaurer la paix, la, la, la joie, la, 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 la sécurité dans la terre. Sur la terre pendant ces mille ans. C'est par, par ici que nous allons continuer le dimanche prochain pour montrer qu'est-ce qui va arriver quand hein, le diable sera relâché pendant ces mille ans parce qu'il doit être relâché. Nous verrons qu'il y aura aussi une autre une, une, une bataille qui est appelée les batailles des Gogos et Magog. Et après cela, les batailles de Gog et, 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 et Magog, la Bible dit que la terre sera roulée et, et on, le ciel laissera la place au trône blanc pour le jugement dernier. Nous allons parler de cela. C'est là que nous allons un clôturer le week-end prochain avec nos enseignements sur les retours de Christ et, et, et pardon, l'enlèvement de l'Église et les retours de Christ. Donc c'est comme ça que les choses vont se passer. Nous pensons avoir répondu à vos différentes questions au fur et à mesure que nous étions en train d'évoluer dans notre enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Ce sont des choses qui doivent pas nous faire peur, mais ce sont des choses qui doivent nous, nous rassurer et nous préparer parce que notre Seigneur revient bientôt. Je vais prier pour euh, clôturer ce moment. Seigneur, Dieu, nous bénissons ton nom. Bénissons ton nom pour ta parole. Tu nous as parlé, tu nous as, tu t'es révélé à nous par cet enseignement. Donne-nous, Seigneur, chaque jour à être prêts et que nos yeux soient fixés à la croix, Seigneur. Tu es celui qui règne au-dessus de tout et rien, 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 Seigneur, ne peut s'opposer à toi. J'ai pris pour mon frère, pour ma soeur qui a écouté cet enseignement. Seigneur, touche son cœur, touche sa vie. Donne-lui, Seigneur, à être prêt, à se, à se préparer à ta rencontre. Selon que la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te soutienne, que le Saint-Esprit te conduise, qu'il te convainc et qu'il dirige tes pas. Sois béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Euh, que Dieu vous, vous bénisse. May God bless you. See you next time. Bye. Amen. This is our life. And we are Leona. Welcome to Go Live TV. The future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched Go Live TV. Anytime, anywhere.